Ensuite, donc, des questions pragmatiques concernant le camp de Stalingrad. On a besoin de toute urgence de sous, d'argent. Donc pour ça, on a fait une petite boîte où vous pouvez donner juste 50 centimes et 1 euro au niveau de la tente vert et rouge. Là, on a des soucis particulièrement parce que donc ils ont des vêtements qu'ils ne peuvent pas laver. Donc le but, c'est qu'on leur achète demain matin des jetons pour aller au lavomatic pour laver leurs vêtements. Donc je vous invite vraiment, s'il vous plaît, à donner 50 centimes ou 1 euro à la boîte prévue à cet effet dans la tente verte et rouge. Et on doit aussi également acheter des balais et de quoi faire le ménage pour les aider sur le campement. Voilà. Et ensuite, tu veux parler de la manif? Je passe juste la parole à Demba une seconde, qui a une information importante. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Demdoukara, je suis mauritanien. J'habite ici en France depuis novembre 2001. Jusqu'à maintenant, je suis là. Je suis délégué dans un collectif de sans-papiers. On est adhéré ici à la place de République 2009, après l'occupation de Bodilic, Bourse de travail à Bodilic. On est sorti, on est équipé ici à la place. Et depuis la liste de convergence qui est venue ici le 1er jusqu'à maintenant, moi je suis avec vous quasiment tous les soirs, je prête des paroles. Et hier soir, j'ai essayé de ramener la porte-parole des sans-papiers ici. Elle avait pris des paroles. Juste pour vous dire, les sans-papiers seuls, nous, on ne peut faire rien tant qu'il n'y a pas de citoyens derrière nous. Donc, raison pour laquelle on est venu présenter à vous aujourd'hui. Et encore, il y avait une manif qui était prévue lundi à 16h à la de Stalingrad à la place de République. Tout le monde est invité. À partir de 16h, on se trouve à Stalingrad pour la question des sans-papiers et question des migrants. Et je vous dis, franchement, votre lutte, ça nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens à tous les citoyens et toutes les citoyennes. Et surtout tous les sans-papiers qui actuellent, qui posent les questions à tous les délégués. Qu'est-ce qui se passe à la République actuellement? Nous, on est en train d'inviter tous les sans-papiers qui participent ici. Il y avait plusieurs sans-papiers un peu partout. Peut-être il y en a plusieurs qui voulaient prise de parole, mais ce n'est pas le cas pour venir prise de parole. Il y en a plusieurs sans-papiers ici aujourd'hui qui sont venus présenter à vous. Voilà, je m'arrête là et l'élite continue toujours. Merci beaucoup. Juste le nom exact de la tente pour donner des sous, c'est le pôle campement où il y a également une petite boîte pour le campement d'ici, on le rappelle, pour essayer de déployer du matériel pour la nuit debout. Merci. Merci beaucoup.